Il est actuellement 6h30 du matin. Non. Il est 7h30 du matin. Heure de Moncton. On va aller manger. J'ai aucune idée si les autres sont réveillés. Non, on va aller déjeuner. Il y a un déjeuner inclus dans l'hôtel. Bon matin, Michel. Bon matin, Léo. Ça va bien? Ça va bien, toi? Est-ce que tu as trouvé le rod confortable? Tu sais, tu parles pas à la meilleure personne. Non? Je suis pas difficile pour dormir. Ah, moi non plus. Moi, j'ai bien dormi. Moi aussi, j'ai bien dormi, mais je suis levé, ça fait longtemps. Tu es levé à quelle heure? 4h du matin, d'après moi. Peut-être 5h, je sais pas. 4h du matin, heure du Québec? Heure du Québec. 5h ici. OK. Là, ce qui est le pire, c'est que j'ai texté mon fils en me réveillant. J'ai fait « Ah, je vais le texter, tu sais. » Mais Christy, il est pas levé ici. Il est 6h du matin. Ben, j'ai fait « Il me répond pas, mon fils ne m'aime plus. » Léo, c'est un épicurien. La machine magique est en train de faire des choses. J'attends après ça. Bon, je suis revenu dans la chambre d'hôtel. Là, il y a une vague qui va passer devant l'hôtel. Je sais pas c'est quoi la grosseur de la vague, je sais pas c'est quoi si elle est impressionnante ou pas, mais je sais qu'il y a une vague qui passe devant l'hôtel dans plus ou moins 20 minutes. Donc, on va aller faire voler le drone, on va aller la shooter avec Michel, il va prendre des photos. Moi, je vais faire voler le drone et on devrait avoir ben du fun. T'es prêt à shooter la vague? Pas tout de suite. J'attends un appel. OK. Mais je vais aller shooter la vague, c'est dans 15 minutes. Moi, je suis un gars qui est jamais en retard, tout le temps en avance. OK, la vague est déjà là. Wow! Non! J'ai oublié de mettre une carte SD dans le drone. Hein? Non! J'ai oublié de mettre une fucking carte SD dans le drone. Léo, t'es-tu un vlogueur? Je voulais juste savoir si t'es un vlogueur. Je pense que c'est un vol inutile. Non, ça va pas. God, yeah. On se reprendra demain matin. Oh my god. Quelle perte de temps je viens de subir. Fuck! Fuck! Hey Michel! J'ai oublié ma carte dans ma chambre. Aussi? Qu'est-ce que t'es con? Bon! J'ai raté la vague. Parce que j'ai oublié de mettre une fucking carte SD dans le drone. Elle est juste ici. La carte SD est juste ici. Mais elle était pas dans le corps de drone. Bingo Léo! Bon, j'ai fait un peu de montage, j'ai fait une sieste, j'ai pris une douche maintenant. On va aller manger avec tout le monde dans un restaurant de fruits de mer. J'ai jamais mangé ça, je pense que c'est genre des sushis. J'ai demandé, on se rejoint où et à quelle heure? Il m'a dit, là, à l'auto. Ok. Salut Léo! Allô! Bon, on vient d'arriver au restaurant. Ouais, non mais c'est pour l'odeur. Je veux pas être le monsieur qui sent le poisson quand il se promène dans le restaurant. Le but là, quand de réussir, c'est d'être dégueulasse. Personne n'a rien dit. Rien. Ça, si on travaille fort dans la vie. Un dans ces gangs là qu'on va manger. Peut-être lui. Peut-être lui. T'as quel âge? 50. Tu peux bourrer n'importe quand. Tu peux bourrer n'importe quand. Particulièrement dans les prochains jours, on prend 5 fois. En plus, tu t'enlèves pas, tu manges mal, refais ça. Tu peux arrêter n'importe quand. On a la bouffe.
Moi, j'ai pris un truc santé. Yam. Ultra santé. Ultra santé, Yam. Ça va être parfait. Mike. Ça va être plus santé que... Un peu plus santé, mais pas tant. En ordre de santé, là, j'aurais Mike, vos deux, en deuxième place. Ouais. Moi, Yam. Ouais. T'as-tu remarqué que les chèvres vont en fonction? Bon, on vient de finir de manger. Est-ce que t'as préféré les produits de la mer ou les sushis? Qu'est-ce que t'as préféré? Non, je peux pas débattre de ça. Les sushis, c'est meilleur, mais c'était très bon. Mais je pense que c'est pas la même affaire. C'est ça, 100%. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas comparable. J'aime ça quand même, Léo, parce que t'es en totale immersion d'apprentissage sur plein d'affaires. T'as trouvé ça bon? J'ai adoré ça. Ouais, 9 sur 10? J'ai pris je te dirais 9. Ouais, t'as pris quoi? Les pétons qui étaient excellents. Okay. J'ai pris un lobster roll. Très satisfaite de tout. Parfait. C'est quoi le plan? On essaye de trouver de quoi pour Jason. Il y a rien de funny. D'impressionnant, tu sais. Ouais, tout est décevant. Tu veux faire quoi, Mike? On va-tu dans un liquor store et on y achète une bonne bouteille? Voyez-vous Brunswick, Tabarouette? Salut, ça va bien. Ça va toi, man? Ça va super bien. Yes. Good. Yes. Yes, sir, man. All right. Québécois, si moi aussi je suis québécois. Ah ouais, t'es d'où? Ouais, je viens de Laval. OK. Ah, ben Chris, ben bonne chance. Hey, bien, merci. Attention à toi, OK? Salut. Scotch, ça fait monsieur, tu sais. Ah, oh, c'est vrai, ça fait 40. Hein? Ouais, scotch, le cognac. Ah, oh, il y a du courvoisier, OK. Ça commence à être haut de gamme. Ça commence. Ouais. 300$ pour toi, ça commence à être haut de gamme. Ça commence à être haut de gamme. Je serais curieux de savoir c'est quoi leur bouteille la plus chère. Ça doit être ça, pas mal. Très beau, il y a ceux-là. Ouais. Mais celle-là, il y a quelque chose que j'aime dans la bouteille. Ouais, c'est pas mal. C'est un trait de luxure. C'est le fun quand ça vient d'une boîte. C'est ouais, plus, ouais, non, c'est plus luxueux. Tu peux l'emballer plus facilement aussi. Puis... Ouais, il y avait là-bas une bouteille de Courvoisier. Fait que son épingle, c'est genre un cognac. Puis un... Ça, j'aime. OK. 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 On a un cadeau, ben des cadeaux pour toi. Bonne des cadeaux. Fête. Hey, bonne fête! Bonne fête! T'as-tu bu dans le parc un étudiant? Oh, ça va, Léo? Yes, toi. Hey, tu fais de la bonne ouvrage. Thanks. Yes. Thanks, c'est pour toi. C'est pour moi, hein? C'est de la porc à Yam. Ah, ouais? Non. Celle-là, la boîte est vide, mon aimant à boire. C'est comme si vous saviez c'est que je suis l'autre bord. Tu vois, l'autre bord. L'autre bord. Hein? Non. Comme ça, tu sais. Oh, tu te fais comme moi dans le fond. Non. Ça. T'en as, je suis encore tout de cigarette. Ouais. Oh fuck, nice. Cool. Des beaux monsieur en bas. Ouais. On me crosse à soi. On vient d'arriver à la salle. Là, il y a eu plein de niaiseries. On a dû changer d'hôtel parce que c'était pas assez nice pour Mike. Mais là, on est arrivé à la salle. Quoi? La façon dont... Non, non. Tu pensais que j'étais dans une suite parce que t'avais deux lits? Ben oui. Attendez de voir ma nouvelle chambre d'hôtel. Vous allez capoter, OK? Pour vrai, là. Même moi, je capote encore, là. J'ai hâte d'aller me coucher tellement qu'elle est nice. I tend to scream. Okay. Do you want to test my scream to put a what we call a buffer? Is that it? I don't want to, but okay. C'est parfait. Puis maintenant si tu tapes sur OK, c'est parfait. Michel? Quoi? C'est quoi le plan? Ben là c'est ça, c'est comme il n'y a pas de restaurants qui sont ouverts après le show. Ben ce qu'on va faire, c'est que on va aller tout de suite à un petit restaurant qui est juste en face de la salle ici. Un restaurant indien. On va aller manger tout de suite en rapidité parce que les portes ouvrent dans 45 minutes. C'est que de rebondissements une tournée. Que de rebondissements. Hey, on se dit. C'est-tu ici? Ouais. Mike, il nous a écrit quand il est là, puis il est dans la porte de garage. Ah, c'est l'autre à côté là, là. C'est vraiment une fin de semaine de découverte. Les fruits de mer. L'Indien maintenant. Moi, je rêve de tourner dans le... On vient de finir de manger. Là, le show commence.
dans 35 minutes environ. La caméra, je sais pas, Léon. Il mouille! Fuck, il mouille! Il mouille! Fuck! Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on annonce aux gens que la boisson arrête dans pas long. Hey Michel, même nous a donné une mission, je sais pas c'est qui va le faire. Ça veut dire que c'est moi quand c'est important? Mais c'est un peu ça. Hey, là ça fait très The Office. C'est quoi? C'est que... C'est ça, juste annoncer que je pense que c'est là que le bar il ferme. Juste s'assurer que les gens qui veulent boire et qui ramassent ce qu'ils veulent parce parfait. Que... Je vais pas être clair dans mon explication, mais c'est que ça ferme. Hey, le bar ferme là, c'est ça? Oui. Parce que là, Mike, il m'a dit, il faudrait peut-être que j'aille le dire sur scène. Regardez, le bar va fermer. Donc. C'est vous en coupe, là? Non, bon, c'est les bars de là, eux autres, ils disent aux gens, il n'y a pas d'entrée que le bar va être fermé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de boire. Mais oui, si vous voulez faire ça. Puis nous autres, on va servir une vidéo en ligne, là. On va pas comme interrompre le service parce que le show commence. Je comprends. On va aller sur scène et leur dire que l'alcool, tu sais, vu qu'ils arrêtent un service, s'ils veulent s'en chercher un autre, c'est le temps-là. Parce que moi, je vais te ton bar. Ça ferme à... Quand les portes ferment, le bar ferme. Yeah. Ça fait. Right. Non, je pense que je vais prendre un mic. Les textes sont où? Ah, OK. I'm Mike Manager. Yep. So I think I'm going to go on stage right now and just tell everybody that when the door closes, the bar is going to close. Sounds and if good. They want more beer or more something, yeah. It's time right now. Mike, j'y vais. Mike? Tu veux que j'aille sur scène dire que la bière, ouais, j'y vais là. Mais, vais... OK, il y a le monde, y a-tu pas mal de monde dans ça? Oui, je te dirais, il y a 70% déjà. Parfait. Fait qu'il faut juste dire à j'y vais. James qui t'allume. C'est fait. Oh, vous y avez parlé? Ça, t'es fait. Ah, OK, je vais aller voir. Let's go on stage. Écoute. Salut tout le monde, ça va bien? Hey, je veux juste vous dire que le bar ferme quand les portes. C'est-à-dire, ben c'est pour ça que je viens de dire. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller chercher quelque chose, c'est le temps-là parce que ce ne sera pas possible pendant le podcast. C'est bon? Oui. OK, cool. Ciao, bonne soirée. Merci. La fille a dit là, non, parce que c'est de la manière la salle est configurée. C'est impossible. J'ai fait non, toutes les salles sont ouais. Comme ça. Ça marche. Non, mais le monde le sait, puis pas juste ça. Le bar, ils vont le vider. J'ai vu Fréjacquion, la file qu'il y a, mec, il n'y a plus de bière dans ouais. 10 minutes. Ouais. Comme on a tous vidé les autres villes. Ouais, mais il faudrait leur dire, reste. Ouais. Bon show, Yann. Hein? Tu nous fais une belle job? Job de champion! Bonsoir, Moncton, j'espère que vous allez bien. Un maximum de bruit pour ma première partie, Josiane Aubuchon! Ouais, ben je sais pas comment décrire ça. Moi non plus. C'est gênant. C'est gênant. Ouais. Ça c'est sûr. C'est gênant. C'est pas nous qui sortons avec cet homme-là. C'est ouais. La femme qu'il y a là. Hey. Merci d'être là. Yes. Les danseurs, ils font ça. Fait que t'es un danseur? Non. T'as l'entraînement d'un danseur? Oui! Number one, I'm pulling off the side, steady carrying my dog. That's a fucking new life, bro. That shit, they don't know. She had a love for the diamonds, I'm proud of. In love with diamonds.
vient de rentrer sur scène, Michel. C'est pas, on va voir. Ah, tu vas capoter. Elle veut se faire signer une boule par Mike. Ah, je sais, je l'ai vu. Il en reste-tu juste deux? Oui, venez. Il en reste-tu juste deux? Je vais leur amener des bières. Tu sais, à la caméra, t'es mieux de pas poser ça. Je... Ouais, sinon, il va te chier dessus, puis ça va être... Je viens d'écouter son podcast qui s'est fait tapocher par l'affaire YouTube. Par le non-champion. Mais non, mais t'as eu... T'as poussé, même quand t'avais goût de vomir, tout ça. Non, oui, c'est ça qui était vaillant, là, pour qu'est-ce que... Alors, ça, c'est quoi? On est dans l'armée, ils sont poussés quand tu vomis, ça, c'est quoi, là? Tu sais, en plus, il est fort en crise, tu sais. Non, mais j'ai quand même pété Charles. Charles qui se battait contre. Mais Charles, je ne le connaissais pas. Mais... Ah, si j'aimais comment que Charles te traitait comme un enfant de 10 ans, par exemple. Ouais, puis il était fier de toi, tu sais, il était comme... Tu sais, puis la... Mais c'est ça, il a dit... Hey, il faut que tu pousses le monde. Sinon, c'est... Parce qu'on l'a vu dans tes yeux de m'emmener, là, t'as vu, non, tu voulais plus être là. Non. Non. Mais Chris, que j'ai aimé comment il a continué, parce que moi, j'aurais abandonné, là. Puis il continuait, puis t'es comme, fuck, man. Moi, ma règle m'attend, là, mais je... sans hésiter. Okay. Bon, tellement qu'on a de signaux au Nouveau-Brunswick. Salut. Hein. J'espère aussi que la douleur va partir. On vit avec, on regarde le sourire. OK. Un, deux, trois. Bon. Fin du show. J'étais avec Yann, on s'en va dans notre chambre d'hôtel. Dans Léo, il y a une suite. Ben oui, j'ai deux lits. Léo dans l'auto, il nous a dit, je pense qu'ils m'ont donné une suite. Pourquoi? Parce qu'il y a deux lits dans sa chambre. Fait que pour lui, deux lits égale une suite. Oui, c'est ça. Je comprends pas ce qu'il y a de drôle, mais c'est ça que j'ai dit. Fait que là, je vais vous la faire visiter. Peut-être que ça va aller demain matin. Je suis dead. Vraiment dead.